Malheureusement, 3500 hectares ont brûlé, ce qui est évidemment un chiffre absolument terrible en termes de biodiversité et en termes de patrimoine naturel. Et je veux ici dire combien, grâce à cette mobilisation, le pire a été évité, puisque d'abord les vies ont été protégées et nous ne déplorons pas aujourd'hui de victimes de cet incendie, et que malgré 3 blessés, auxquels je pense aujourd'hui et je veux apporter tout notre soutien, nos sapeurs-pompiers sont aussi continuent à être au combat, mais ont pu stabiliser la situation. Donc voilà, ce résultat qui est le nôtre au moment où je vous parle est un résultat provisoire, parce que la bataille continue. Le feu n'est pas encore fixé et stabilisé, comme les images le montrent. Le pire à ce stade a été évité. Les prochaines heures sont absolument décisives et nous continuons d'être vigilants.